Voilà, famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et review. Aujourd'hui, on va parler de Werenoi. Werenoi qui est déjà sur la suite de son dernier album à succès Pyramide. Pyramide qui soit toujours le top 20 du top album. J'avoue ne pas comprendre pourquoi trop vite enchaîner. On a vraiment cette manie, en tout cas les artistes français, surtout dans le rap, enchaînent un peu trop vite. Je crois même qu'on est le marché où les projets s'enchaînent le plus. Ça veut dire que tes fans te demandent de faire de nouveaux sons, que tu vas en faire. Il faut que cette nouvelle génération d'artistes et même de public apprennent à savourer ce qu'ils font ou ce qu'ils écoutent. C'est incroyable d'enchaîner autant. Limite, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un délire Big Mac. C'est vraiment du fast-food musical. Il n'y a plus ce côté attente où on attend de recevoir la musique comme à l'époque, même comme à l'époque, comme moi, il y a 5 ans quand même. Donc, comme je disais, il enchaîne donc avec une suite qui s'appelle Pyramide 2 qui sortira courant mi-fin de ce mois-là, fin d'octobre. Et pour mettre en avant ce projet-là, il a choisi comme lead single Pétunia. À voir ce que vaut le son. Ça, on verra ensemble. Mais si vous êtes chaud pour cette vidéo, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre des likes à fond sous la vidéo pour permettre à cette chaîne et à cette vidéo d'être mise en avant sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche quand vous vous abonnez. Et si c'est fait, c'est maintenant. J'espère pas un son estival, j'espère vraiment un son qui va bien avec cette vibe automnale en ce moment. Instru à base de piano. Ça change d'habitude, j'ai l'impression, au niveau de l'instru. Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis plus, je parle sommeil, je pense qu'à faire de l'oseille. Je compte plus les haters, je pense à la 3 millions. Vous avez compté le nombre de fois où le mot jeu transparaît dans les paroles? J'aime bien parce qu'on se trouve vraiment aujourd'hui avec un son un peu plus introspectif de la part de Renoir. Ça me fait plaisir parce que Renoir, c'est un peu le Ninho, le SDM le plus superficiel. Tous les trois se ressemblent musicalement. Mais à l'écrit, c'est le plus superficiel, lui. Pour m'ambiancer, j'écoute Werenoi. Renault. Mais pour aller sur un chemin un peu plus lyrique, voilà, c'est sûr et certain que je compte pas sur lui. Là, ça me fait plaisir de le retrouver sur un son avec un aspect un peu plus introspectif, avec des paroles un peu plus travaillées, une production un peu plus dépouillée. Là, le piano, dès le début, je me suis dit, belle ambiance. Mais c'est trop auto-tuné. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Mais il est tout le temps pas tué. Plus très loin du sol et toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors des RS3, j'en coupe plus, c'est que c'est dit sur moi. Je me dis quand même que sur une interprétation un peu plus brute, ça l'aurait fait aussi. C'est dommage. Le gang. En fait, d'un point, le monde du rap, c'est rempli de gangsters et qu'il n'y a aucun d'entre eux qui est en prison. C'est rare de le dire autant sur un son de Renan, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le son. Je pense que le son, je vais mettre sur une playlist. Je le dis tout doucement. Vous m'entendez pas? Oui, je dis que le son, je vais mettre sur une playlist. Je le sens. J'ai un peu la haine. Bon, c'est plus rap là, bien. On est un rappeur du Nord. Je ne regarde plus derrière. Je regarde plus les streams, je regarde plus les ventes, mais c'est totalement faux. Ah, aujourd'hui, tous les artistes sont motivés. Vente, stream. Et sur... Ah oui, pardon. Et par les posts de la Snap sur Instagram. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps en code. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Pense qu'à faire de l'oseille. Bon, j'aurais jamais cru le dire dès le début d'écoute du son. Au début de cette vidéo, mais j'aime bien Pétunia, pardon. Un lead, je le répète une nouvelle fois, en cohésion avec la saison automnale qu'on est en train de vivre. Très bon choix de single, écoutez, j'espère vraiment que ça a été un succès pour lui. Je n'en doute pas. Écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du son. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je dis? Donnez-moi tous vos avis argumentés, s'il vous plaît, dans la barre des commentaires juste en bas. Mais surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre des likes à fond, s'il vous plaît, et d'activer la cloche quand vous vous abonnez. Comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffez, mettez des likes, et nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut.